stressé. Le stress est à fond. Mmh. On fait un feu. Vous remettez votre travail aujourd'hui, puis vous commencez les autres étapes. J'ai pas pensé, par exemple, je sais pas si vous avez besoin d'effets de découpage. Ouais, vous en avez besoin. Ça va bien, ça va bien. Delphine, tout est pas stressé. Moi, je suis jamais stressée. Jamais. Delphine, les seuls moments qui est stressée dans la vie, c'est quand quelqu'un dit faut que je te parle. Je suis vraiment anxieuse présentement. Pourquoi je suis. Pourtant, il fonctionne. Elle vient de briser l'ordinateur. Je peux rien faire. Ok. Ok. Tout est beau. Tout est beau. Tout est sous contrôle. A1. Est-ce que ta blonde sait où c'est que vous allez? Ouais, ben ouais. On va même aller en Angleterre, bah, au Royaume-Uni. Ouais, je le highlight, on va changer au cours du temps. Ouais. Salut. Ça va, votre travail? Non, pas très bien. Ça va pas très bien? Non, j'étais dernière minute. Comment c'est? Ben, on passe cinéma, c'est ça la raison. Ah, le stress étudiant. Pour certains, c'est une légende, mais pour ceux qui le vivent, c'est totalement réel. Très réel. Fait que là, vous faites aux affaires. On se rappelle que le cours commence dans 20 minutes. Voilà. 20 minutes. Fait que ça va bien, Anne? Ça va bien. OK, alors, Louis, raconte-nous ce qui s'est passé ce matin. Ce matin? Louis, l'ordi a brisé. Il a brisé complètement. Ça a explosé partout, là. C'est en feu. On attend que les pompiers. Louis? C'est pas le moment. Ben, je suis pas une personne très stressée. C'est pas le moment? C'est pas le moment. Je suis pas encore stressée. Je suis pas là. On est quelle semaine, là? OK, bonne chance. Pas finalement. Ben, en fait, l'ordinateur a comme chien dentelle, comme on dit. Puis là, il est plus capable de monter. Il reste une demi-heure, je pense, avant la remise. Moi, je suis quelqu'un qui est pas stressé dans la vie, là. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui et cette semaine, ça a été vraiment stressant. Mais je sais pas si c'est vraiment le terme que je cherche. J'ai été plus... On dirait que tout était too much. Tout le monde me tapait ses nerfs. Belle, t'es belle. Ta gueule! J'arrête de crier. Gars. Ben, mettons, les gens au cinéma, ça carbure vraiment au stress, je trouve. Là, c'est comme... ah, je suis stressée, fait que, ah, ben toi aussi, t'es stressée. Puis là, tout le monde se. C'est comme une espèce de contagion que tout le monde se craint avant les examens. Plusieurs personnes sont susceptibles d'absorber les émotions des autres et le stress est une émotion qui se transmet facilement aux gens qu'on côtoie. Fait que, tu sais, moi, j'arrive là à l'école, ben relax. Fait que là, je commence à faire de l'anxiété pour aucune raison, juste parce que l'environnement est un peu craqué. Je pense qu'il nous manque pas mal de communication entre nous. C'est beaucoup de « on s'ostine, on s'ostine, on s'ostine ». Oui. Et peu de fois, on est en accord. Là, si je pète des coches, là, Delph, faut pas que vous preniez personnel. Je vais le dire à toi aussi, mais je pense que je vais plus péter une coche. Delph, je le sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si on. Faut pas qu'on. Si on chicane à cause du tournage, là, faut pas qu'on prenne ça personnel. Là, c'est on le tournage. C'est juste parce que c'est temps-ci, tu prends beaucoup personnel, les choses. Est-ce que vous pouvez nous aider puis dire à Raph qu'on peut pas zoomer parce que ça enlève la profondeur? Hey, n'hésite pas à zoomer, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut pas se crier après? Je sais. Tout le monde, s'il te plaît. Qu'on est trop dézoomé au max, on est en grand angle. On se rapproche, Raph, c'est tout. Oui, mais. Là, je suis loin de toi, puis regarde, là, je suis proche de toi. Ok, désolé, mon mec, tu peux mettre toi proche de moi, ça va. Partez, tranquille, doit être bientôt là. Mais là. Durant le tournage, on était
on dirait que comment il est parti, on n'était pas organisé, on se parlait pas vraiment. Fait que ça a comme été go with the flow. Fait que là, on a comme manqué d'organisation là-dessus. Puis on est toutes devenues rapidement toutes sur les nerfs. OK, fait que tu prends les commandes, tu gères. Oui. Puis t'essaies de gérer le plus parce que ça roule. Non, mais... Et quand même, surtout ces derniers temps, là, il a affecté surtout mon humeur, donc ma façon d'agir avec les gens quand j'avais vraiment pas de patience. Selon le journal Accès, 10% de la population serait affectée par les troubles d'humeur dus au stress. J'étais fatiguée, fait que j'étais vraiment bête avec les gens, puis je me suis sentie mal de ça. Là. Je pense que je me suis excusée pendant une semaine de temps. Mon stress en ce moment, il est très bas. Comme le tournage m'a plus stressée, mais là on a fini de tourner, puis là on fait le dérochage, puis toute la paperasse. Ça c'est plus long, c'est juste un peu plate là. Excellent! 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 Fait que le seul stress que tu as, c'est vraiment en dehors de l'école. Ouais. L'école te stresse pas. Non. Même si les choses sont dues à telle date, puis que tout ben, je veux dire, je vais le faire dernière minute, peu importe le travail là. Pour certaines personnes, ralentir, c'est une façon de réduire leur stress. Et pour les gens comme Louis, procrastiner, c'est une façon de ralentir. Fait que genre, ajoute-moi plus de temps pour faire un travail, puis je vais quand même te le remettre dernière minute, là. Mais genre, c'est juste personnel à moi. Genre, tu sais, mettons, il y a du stress extérieur, là, puis je suis genre... Je mets comme mes œillères, comme les chevaux, là, je suis juste comme bye. C'est difficile de dire combien de personnes en souffrent exactement du stress scolaire, parce que la plupart des personnes en parlent pas ou vivent dans le déni. J'ai pas le goût de me laisser influencer par ce stress-là. En fait, je sens que je pourrais être stressée, mais je le refuse. Ok, t'es dans le déni. Je suis dans le déni complètement, mais je fonctionne bien comme ça, je trouve. Comme, je suis comme, j'ai tellement de choses à faire, mais j'hésite pas à y penser. Fait que ça va bien. C'est une belle façon de voir les choses. Attention, on coupe un peu le lit, mais tu gardes le centre. Je sais pas ce qu'on va. T'as-tu hâte de remettre ton travail la semaine prochaine? Ah, moi, j'ai vraiment hâte. Ben, non seulement, genre, tu sais, de voir comment les gens réagissent en voyant le projet, mais j'ai hâte de voir les projets des autres. Ça va être un bon moment.